On a eu peur pour, enfin, on a eu peur pendant le Covid pour les autres, parce que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas été beaucoup touchés, ou du moins, on ne le savait pas. Ah non, nous, on a géré la maladie différemment. Quand c'est arrivé, au début, on dit distanciation de sécurité. Ça a arrangé tout le monde, sauf les policiers. Et le policier, il a besoin d'aller au contact. Souvent elle appelle, allô, maman, on a qu'à préparer quoi aujourd'hui? Ah, j'ai pas le temps, je dois prendre ma tontine, maman m'a pas encore donné. Demande à ton patron. Allô, tonton, on prépare quoi aujourd'hui? Je sais pas, j'ai des opérateurs économiques, je suis occupé. Eh, fais ce que tu veux, Awa. Il reste qui? Le salaud. Il est couché au portail. Awa, faut faire deux pintades à un pistache. C'est le vigile qui mange tout. Les servantes coûtent, de toute façon, elles volent. Servantes coûtent. J'avais une copine servante, elle était coûte comme ça, tellement elle volait. Chaque fois qu'elle venait dormir chez moi, je la prenais dans mes bras toute la nuit. Elle pensait que j'étais romantique, c'est faux. C'est parce qu'elle vole. Quand elle veut se lever, hey, tu vas où, tu vas où, tu vas où. Tu vois, tu es dans l'avion, tu vois, les gens, quand ils montent là, chacun se prend. Chacun a perdu son pied d'avion. Donc chacun n'a pas envie de parler à chacun. Mais depuis on est comme ça à l'avion pendant une heure. C'est là que t'attends, c'est comment ça va? Toi tu viens de quelle ville? Tu viens de là, donc vous pouvez parler. Non, vous êtes pas chaud, vous êtes pas chaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes content d'être là? Oui. Moi? Non. Je suis Clantiles, Abobolet de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et pour ceux qui ne connaissent pas Abobo, les gens ont tendance à dire que non, Abobo c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. Eh bien, laissez-moi vous dire aujourd'hui que tout ce que ces personnes ont dit ici à Abobo, c'est vrai.